sang, loser. L'état de ton bras va s'aggraver. Fais chier. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. Qu'est-ce qu'on a là? Jamais trop. Toi, tu vas bien me servir. Bordel de merde. Bowser, t'es réveillé? Ouais, Dick. Quoi de neuf? Hey, je viens de voir un type fureter près de la planque. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Bon, écoute, je vais le suivre et essayer de voir s'il y en a d'autres. Terminé. Alors qu'est-ce que t'as trouvé? J'avais raison. Les deux drifters qu'on a vus sur la même moto, ils se cachent un peu plus loin sur la route. Ah ouais? Tu déconnes? Ils ont une planque de fou. Une sorte de tour de guet avec une clôture et tout. Reste plus qu'à leur prendre. Ça a l'air cool. Moi, je dis qu'on attend la nuit. On bute ces deux clowns et on s'installe des pères. Hein? Tu sais qu'ils sont armés? L'un des deux a l'air salement amoché. Je dis qu'on peut se les faire. Ouais, allez vous faire foutre. Hey!
J'ai vu quelqu'un. Putain! Allez, on se met. Allez. Il est là! C'est ça! Qu'est-ce qu'il y a pas à couvert? Il l'a buté! Il a perdu quelqu'un! Et allez! J'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifters qui voulaient nous piquer notre planque. Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. On s'occupe d'abord de ton bras. On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. Saloperie de mutant. Putain, manquait plus que la pluie. Quand c'est pas les mutants, faut qu'il pleuve. Pourquoi ? Il faut toujours qu'il pleuve. Où est-ce que je suis ? Je dois plus être loin. Oh.
que je retrouve ma moto. Je dois plus être loin. Je me rapproche. Allez, ma belle, où t'es passée ? Voilà, j'y suis. C'est là que je l'ai laissé. Ma bécane. Putain ! Chier, Copland ! Hé ! Tu viens du camp de Copland ? Putain, où est passée ma moto ? Hé ! Arrête-toi, putain de merde ! J'ai pas piqué ta moto, mec ! Je te jure ! Je vais pas te buter ! Arrête-toi, bordel ! Oh, bordel de merde ! Hé ! Je veux juste ma bécane. Ok, là, je vais me buter. Loser, t'es là ? Ouais, Dick, t'as trouvé ta moto ? Non, les hommes de Copland ont mis la main dessus. Je me dirige vers son camp. Terminé ! Saint John, c'est toi ? Un fils de pute a piqué ma moto ! Je suis pas au courant. Je devrais parler à Mali. Ouais. Ok. C'est lui que je voulais voir. Salut, Mani. Salut, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Faut bosser dur ici. Eh ouais, la vie de campeur, quoi. Ouais, tu l'as dit. J'ai lu un livre une fois, Le Zen et l'art de la mécanique. Tu connais ? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, je tenais un garage à Farewell. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, que ça disait. Essaie de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Mani, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas ? Parce que elle vient juste d'arriver. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. Sans mec. Je te jure, elle a dû en voir de belles. Là, on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbu. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Et une pompe à carbu comme celle-là, tu veux dire ? Ok. Comme celle-là, Mani. Ok. Quand j'ai dit abruti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière. Et... Dick, faut qu'on parle.
bûche, on dirait. J'ai suivi une grosse attaque hier soir. Encore des Reapers. C'est la deuxième fois. Il y en a qui pensent qu'ils vous cherchaient, vous aurez pas. Oh, les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land. Les gens s'entraident ici. Mais quand on manque de vivre, voilà ce que ça donne. Vous êtes en pénurie ? Pêche de la truite, la fonte des neiges alimente le lac. Et sans personne pour le réapprovisionner, on finira par en manquer. C'est comme pour tout. Quand j'étais gamin, j'allais chasser avec mon père. On construisait une cachette. On posait des pierres à sel. Et on faisait un vrai carton. L'hiver, on croulait sous la viande séchée. Je pensais que c'était pas légal d'appâter les cerfs, à l'époque. Mon père obéissait à une seule loi, la Constitution des États-Unis. Si vous voyez aujourd'hui, l'Amérique, le pays de la liberté. Tu l'as dit. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais ? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai ? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là ! D'après Toc, il a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute, tu trouves son matos. Tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto que tes gars ont volée, tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérer, Dick. Récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa, ta casquette. Quoi ? Là, celle-ci. Je vais tenter d'y me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non ? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp ? Commence par me rendre service. Poup ! Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux ? Je préfère ça. Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire ? Non, ça l'est pas. Mais je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Joyeux anniversaire, Cope. On dirait qu'il avait un gosse. Ouais, Cope. Personne nous prendra nos flingues maintenant, hein. Salut. Oh, hey. T'as pas chômé, toi. Ouais, ton truc, c'est la chasse. Moi, c'est la compta. Ah, oh, ok. Ok. On se voit plus tard. Ouais, je m'en passerai. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, ok ? Ouais. Je peux t'aider ?
Besoin de rien aujourd'hui ? Ouais, ok. Dick. Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane ? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto ? Ah, je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Manny ? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup ? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Qu'est-ce que tu fous là ? Écoute, Manny, c'est fait. Deux secondes. Putain, c'est pas une bécane, ça. Bowser, t'es là ? Ouais, Dick. Comment ça va ? Et ton bras ? Je te l'ai dit, je survivrai. Ok. Je vais quand même voir au checkpoint du Nero s'il y a des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre. Ok, pas de problème. Je vais sortir pour vérifier qu'il y a personne dans le coin. Non, Bowser, non ! T'es brûlé au troisième degré. Reste où t'es, repose-toi, d'accord ? J'arrive le plus vite possible. Je crois que... Je dirais pas non à un truc contre la douleur. Ouais, si tu m'étonnes. Je vais voir ce que je peux trouver, je vais essayer. C'est là, le checkpoint du Nero. Faut que je trouve de quoi soigner le bras de Bowser. Les primes. Non, rien par ici.
Bingo, le voilà. De marcher, tas de ferraille. Faut que je trouve de l'essence. Faut que je trouve de l'essence. J'ai beaucoup de munitions. Essence.
Ah, et voilà. Voilà. Stérile. Où est-ce qu'il a rangé ces trucs? Ok. Ouais. Des bandages stériles. Pile ce que je cherchais. Il me reste plus qu'à ramener tout ça à Boozer. Tiens, salut, toi. Généro. On dirait une espèce d'injecteur, peut-être. Pourquoi pas? Notre unité s'apprête à battre en retraite. L'ordre est tombé il y a quelques minutes. Tout ce qu'on a accompli ici, c'était qu'une perte de temps. Il y a des centaines de personnes infectées sur l'autoroute à l'extérieur de Verwell. Pas moyen de les arrêter. Les checkpoints sont tous envahis. On se retire. Ok, j'arrive. Non, attendez. Non, il n'y a rien à faire. T'aurais dû te tirer avec tes potes. Bienvenue dans mon monde. Boozer, t'es là? Boozer, réponds-moi, merde! Il répond pas. Où est-ce qu'il est passé? Saint-John, ici Cope. Tu seras à la tour. Ma liaison radio a été coupée. Je peux te payer pour la rétablir. Tu les connais ces types ou quoi? Parce que faire taire Radio Libre Oregon, ça me semble assez personnel. Tu m'étonnes que c'est personnel. Ils faisaient partie de mon camp. Apparemment, ça leur plaisait pas que je leur interdise de voler, de violer, de tuer. Bah, peut-être qu'ils étaient juste comme moi, qu'ils en avaient ras-le-bol d'écouter des conneries de complotistes parano. Terminé.
Hé, hey, Boozer. J'ai trouvé des trucs pour ton bras. Boozer ? Merde. Boozer ! Hé ! Putain ! Bordel, Dick. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abruti. Oh, montre-moi ton bras, d'accord ? Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras. Je gère ! Hey, putain ! Hé, hey, Dick. Merci, mec. Écoute, j'ai moins tiré, d'accord ? Ça va aller.